Et yo tout le monde, c'est Enjoy. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit gameplay sur un jeu que j'ai découvert il y a très très peu de temps. Il s'agit de Gran Turismo 7, donc c'est le dernier. Et il me semble que c'est pour les 25 ans en ce moment. Donc, à savoir, mon expérience avec les jeux de course et même Gran Turismo, j'ai jamais joué. Voilà. Donc, je découvre un petit peu le jeu, j'ai testé un petit peu avant. Ouais, c'est plutôt intéressant. Après, moi, je connais vraiment pas du tout. Donc là, quand on voit le truc un petit peu, ça fait un peu page Google avec tous les trucs en ligne, les liens, etc. Donc c'est assez spécial. Donc là, on a deux trucs. Donc pour ceux qui connaissent pas, bah, vous découvrirez un petit peu les trucs en même temps que moi. Donc là, il y a Rallye Musical. Donc j'en ai testé un. Je crois que c'est le premier truc que tu fais quand tu lances le jeu. En fait, tu as plusieurs sons. Ok. Et en bas, vous voyez, tu as meilleur record 8400 mètres sur celle-là. En fait, c'est tu es sur une piste, tu as cette musique. Et je crois qu'il faut que tu fasses le plus de mètres avant que la musique s'arrête, un délire comme ça. Et t'as bronze, argent et or en trophée. Or, c'est que t'as fait suffisamment de mètres. Je crois que j'étais même pas à 400 mètres. Puis t'as des trucs à débloquer, donc il n'y en a pas beaucoup. Ok, donc faudrait que je teste d'autres parce que je crois que t'as pas la même voiture. Donc tu démarres aussi avec une voiture de merde, hein, on va pas se mentir. Quand tu fais carte du monde, donc ça te fait une petite map comme ça où tu vois des endroits spécifiques. T'as des crédits en haut là que tu peux acheter en échange de vrai argent. Ça, c'est un petit peu insolent. La Aqua, ma voiture qui est juste à droite, c'est la voiture que j'ai actuellement. Donc, il y a les capacités. Et le truc où c'est écrit. Bah, attends, on va aller dans le magasin d'occasion. J'explique un petit peu ce que j'ai compris a priori. Voilà. Donc, on va dire qu'il y a CR. Donc, le gros chiffre qu'on voit, c'est les crédits. Donc, le prix de la voiture. Donc vous voyez, j'ai 46 000 crédits, hein, donc j'ai vraiment de commencer. Et en fait, il faut choisir sa voiture en fonction des PP. Donc c'est le petit chiffre qu'il y a à peu près au centre de chaque. Comment on appelle ça? Des cartes, plus quoi. Bon, le chiffre qu'il y a au centre, quoi. Plus le PP est grand, plus la voiture est puissante, etc. Donc moi, ma voiture, elle est à 361. Et sachant que tu peux améliorer des pièces pour l'augmenter personnellement, on va dire. Après, il y a plusieurs voitures à avoir et ça donne des PP bien plus gros. Par exemple, si je vais tout en bas, il y a des voitures qui seront bien plus badass, on va dire ça comme ça. En fait, tu les débloques au fur et à mesure des courses que tu fais, je crois, parce qu'au début, on n'avait même pas une vingtaine, là, il doit en avoir 30, 40. Et ouais. Là par exemple, la plus grosse, ce serait celle-là, la CTR3, je sais pas quoi là. Et il y a vendu. Donc en fait, ce que je comprends pas, c'est que. Est-ce que. Il y a d'autres gens en même temps qui achètent à ma place. Enfin, d'autres gens en ligne. Je sais pas du tout. J'en sais rien du tout. Donc pour ceux qui s'y connaissent vraiment en Gran Turismo, ben, n'hésitez pas à m'expliquer des choses en commentaire. Ça pourra m'aider pour l'avenir. Et du coup, présentation, t'as une petite mission, je crois, dans le café, où t'as des gars, ils veulent que tu fasses une collection de voitures. Ouais, voilà, t'as des collections. Quand t'as trois voitures, tu gagnes un autre truc, ou des conneries comme ça. Comme tout jeu, tu dois vraiment prendre ton temps pour bien savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans le bon ordre. Par contre, je sais pas où c'est la collection. Peut-être garage. Vidéo Space. Ah, collection de voitures. Donc c'est là. Vous voyez en haut à droite, il y en a 454. Et j'en ai 6. En fait, c'est en fonction des pays. Par exemple, là, il y a l'Allemagne. Donc il y en a beaucoup. En plus, tu peux pas voir visuellement la voiture ce qu'elle donnerait. Faut voir que tu la débloques, je sais pas comment. Non. Ou alors, c'est en haut, tu choisis la catégorie. Ah voilà, c'est par année de modèle. Et quand je suis allé en bas, tout en bas, parce que t'as des voitures vieilles, des voitures récentes, donc forcément les vieilles, bah, plus la merde. Ah voilà. Nous on est en 2022 et il y a des. Voilà, là, il y a des 2022, il y a même des 2023, 2025, 2035. C'est-à-dire des espèces de trucs futuristes. Donc en vrai, c'est stylé. Bon, du coup. Moi j'ai ma petite aqua chelou qui pue la merde. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, même si elle pue la merde, on va acheter quand même les petits trous parce que ça avait l'air d'être sympathique. Ouais, c'est ceux qui coûtent 3000 quoi. Donc on va prendre les sports tendres.
tech. Bon, on va juste se contenter de nos nouvelles roues. Et les courses, c'est ici. Donc, pareil, les courses, je sais pas combien il y en a. Tout ce qui est information, moi, je veux bien en commentaire. Là, parce que, par exemple, si je vois 12, 15, 9, ça fait quoi en calcul mental? Ça fait 24, 26, 36, 36 courses. Ça paraît court, un peu. Hein. Ou alors, c'est tous les points rouges, c'est juste un seul. J'en sais rien. Mais en soi, le jeu sur les pistes de course est vraiment. Ouais, ça, c'était très belle image en vrai pour un jeu comme ça, je trouve. Après, tu sais, j'ai aucune référence. Donc, moi, tu vois, je commence un Grand Turismo avec celui-là, tu vois. Donc, forcément, je suis assez impressionné. Mais je pense que t'es encore plus impressionné quand tu vois l'évolution du jeu, je trouve. Course 1. Tu sais, je sais pas si tu peux prendre une grosse voiture contre des petites voitures, par contre. On dirait un gun, la piste de course. Mm-hmm. Ça fait vraiment très très sport. Tu me diras, c'est un petit peu le thème du jeu. Donc, et du coup, on démarre tout le temps course engagée. En gros, on est déjà en train de rouler et d'un coup, il y aura la game, quoi. Voilà. Donc là, je peux rien faire. Et là, bim, je peux commencer à rouler. Donc on est parti. Donc après, il y a aussi plein de paramètres à régler. C'est savoir si par exemple tu peux mettre ta trajectoire tout le temps affichée, les zones de freinage, parce qu'il faut freiner quand tu tournes par moment. Moi du coup j'ai mis tout, enfin j'ai mis LED de partout au début, sauf que j'ai remarqué que ça me saoulait très vite, donc j'ai mis moyen quoi. Je crois que c'est course débutant, course modérée ou course expert là. Je crois que quand tu mets course expert, t'as rien d'affiché, tu te démerdes. Et je crois que je vais même commencer à le faire. Parce que en vrai, ça me saoule un peu de voir tout le temps ces grosses zones rouges. Ouais, je suis déjà deuxième, pourtant j'ai mis difficulté niveau 2 sur 3, on va dire. Et voilà, autre truc qui me saoule, c'est que en fait, vous me direz hein, si on peut modifier ça. Les zones où on doit freiner pour mieux tourner, et ben même si je freine pas, si je passe sur cette zone rouge, ben, ça me fait freiner quand même. Donc je comprends pas. Ça me saoule un peu parce que des fois j'ai pas envie de freiner et j'ai juste envie d'accélérer quoi pour aller plus vite. Mais non, il veut quand même me faire freiner cet enfoiré. Par contre, je sais pas quoi, j'ai combien de tours parce que je sais jamais où faut regarder. Tour 1 sur 2, ok. Donc là, je vais pas tarder à le doubler. Tac. Coupé. Donc je sais pas si t'as des courses en ligne par contre. Ouais, c'est intéressant ça. Petite course en ligne. Je suis pas trop au courant de ça. Je vais pas tarder à avoir fini déjà là. Ça, je trouve vraiment le jeu simple pour la difficulté normale, on va dire. Quand j'ai jamais joué à un jeu de course, ouais. Si, j'ai déjà joué à des vieux jeux en mode Crazy Frog là sur PS2, c'est trop bien ça, mais sans plus quoi. Normalement ça c'est la ligne d'arrivée, je crois. Ouais. Ouais. Bon voilà, plutôt simple. Plus 2, non. C'est bien, c'est que ça fait vraiment comme des. Comme la Formule 1. De compète etc où tu vois le temps et tout. Ouais, c'est pas mal hein, un petit jeu comme ça histoire de changer un peu. Côté récompense, manche. Ah, c'est qu'il y a deux manches. C'est à dire que je dois pas faire de la merde. D'accord, ça c'est stylé par contre. Ouais, ouais, en bas, marathon de pilotage, là, je suis à 9,2 km. Et je sais pas ce que ça fait quand tu passes les 42 km, là. Ça donne un truc ou pas en récompense. À mon avis, le plus dangereux, c'est le premier, là, le Fraga, parce que vu qu'il était deuxième avant, s'il termine premier là, bah, ça veut dire qu'on peut être égalité. Oh, il pleut. Est-ce que ça glisse plus, du coup, quand on tourne? Bah, je suis assez bourrin quand j'entre dans les jambes. Mais...
soit stylé, que ce soit encore plus galère à rouler du coup. Tac. Troisième là. Putain, j'ai l'impression de rouler à 2 à l'heure. Vivement que j'ai des gros Lamborghini Saras là. Mais bon, à mon avis, ça doit prendre un petit temps quand même. Donc là, je repasse premier. Bon, normalement, on va pas tarder à avoir fini cette deuxième course. Je sais pas si c'est dans ce virage. Si, c'est ça. Et finito. Tac. Donc deux fois premier, en théorie, j'ai gagné. Hein. Plus 9, plus 10 même, pratiquement. Mmh, 24. Donc en fait, t'es obligé de faire deux fois premier, sinon tu perds. Donc voilà, comme ça c'est fait. Parce qu'en plus, ils sont tous... tout le monde arrive au même classement. C'est scripté. Ok. Plus 7 et plus 9 encore. Moi, je pense que ça se gagne assez vite, hein, les crédits. Vous êtes numéro 1 au général. Ok. Entraînement... Ah, je gagne 15 000 en plus. Oh, bien. Bonus de classement général. Oula. Ah, putain, j'ai un cadeau de voiture. Ah, je peux pas choisir. Ok, ça marche. Merci. Ah, d'accord, j'ai même pas pu choisir en fait. Ah, oui, t'as un niveau de collectionneur en fonction du nombre de voitures que t'as. Ok. Donc là, c'est un musée. À quoi ça sert? Sarah, voici le Brand Central. Oh putain là. Oh, j'aime. Waouh. Ah oui, Michelin. Putain, c'est trop. Ah oui, j'y connais rien, frérot, remarque. Je crois que Dodge, j'aime bien. Dodge Viper. Là. Oh oui, c'est ça. Ah non. Oh, ça déboîte. Wesh, 1342, mais c'est dans quel monde? 1 million. Mais j'économise, j'achète celle-là. Je finis le jeu, c'est tout. D'accord. Bon, écoutez, dites-moi si vous avez d'autres informations intéressantes à voir dans ce jeu. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, bah, j'y connais pas grand-chose. Et sinon, du coup, on se dit à bientôt pour un gameplay sur un autre jeu ou sur même Gran Turismo si vous voulez en voir d'autres. On se dit à bientôt. Salut.